was born in a crossfire hurricane. Elle s'appelle Eva Yellen. Particularité, la souffeloise a chanté sur la scène de Rockin' Mill. Rockin' Mill, c'est ça. Le concept, faire jouer 1000 musiciens et chanteurs sélectionnés sur casting vidéo pour interpréter les plus grands titres du répertoire rock. Rockin' Mill, c'est tout simplement le plus grand groupe de rock du monde, un record auquel Eva a participé. Je fais partie du record du monde, on peut dire ça. Modestement, je suis une des 1000, comme on dit. Ground control to Major Tom. Eva est chanteuse et céramiste, une artiste touche à tout. Michel, son père, c'est le guitariste et chanteur d'un groupe local, Rock Traffic. Il possède un magasin de musique à Brumath, un milieu dans lequel Eva a toujours baigné. C'est la musique qui nous fait vivre quotidiennement toute ma famille de Troyes. Donc ça représente toute une vie de travail et d'émotion, de plaisir et surtout de passion en fait. Au premier plan à gauche, sur cette vidéo amateur, Eva a vécu une expérience unique. Elle a fait la scène de Francfort en juillet, puis celle de Milan sur la piste d'un aéroport en octobre. En très peu de temps, on se fait des amis avec des liens vraiment forts. On parle beaucoup de famille, en fait. C'est une famille, Rockin' Mill. Il y a des personnes qui ont des professions artistiques, mais après, il y en a d'autres pour qui c'est pas du tout le cas. Il y a aussi des médecins, des avocats, des étudiants. Et c'est ce brassage qui est génial. C'est que finalement, on a tous un peu une âme d'artiste, peu importe le métier. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me floating on my tin can? Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. C'était cool. Son père était aussi retenu, mais n'a pu y participer. Pour 2020, c'est une certitude, Michel sera de la partie, avec sa fille évidemment, la seule chanteuse alsacienne sur la scène du Rockin' Mill.